Hello people, c'est Abby. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais dessiner un personnage manga de Naruto en faisant en sorte qu'il est 3D. Voilà, on va montrer qu'il est en 3D. Il doit sortir la feuille, les flammes et tout et tout. Par exemple, celui-là, par exemple. Ou celui-là, c'est... Du coup, voilà, vous avez compris le principe. Bah, je vous laisse. Je vous invite. Bon, j'arrête de montrer la préparation, je commence direct le dessin. Apples later, my friend was training. Ok les gars, j'ai fini le truc, là on attaque coloriage et contour avec le feutre noir et on va faire ça plus vite possible. C'est parti. Thank you.
Ouf, je viens de finir le coloriage, mais regardez le bazar, les gars. D'abord, je vais tout ranger le côté, puis je vais juste couper le contour pour rendre 3D. Bon, je vous laisse dans 2 minutes, les gars. C'est bon, les gars, je viens de ranger les côtés. Maintenant, on attaque pour le dessin. Je vais juste couper les bords devant avec ziso. Oh non, avec un petit magique. Perso les gars, je kiffe vraiment ce dessin, maintenant c'est une de mes dessins préférés. Si toi, si tu kiffes, n'hésite pas à liker la vidéo et commente. En ce, je vous laisse à mercredi les gars.